dans l'épisode précédent. On a le... On est mort. Ah si, rentre, on est mort. J'adore la piscine. Ça court de ouf là. Il y en a deux là. On est mort, c'est sûr on est mort. Qu'est-ce... Et salutations chers honneurs, nous sommes de retour sur Emily Wants to Play 2, qui est le 2. Donc comme vous avez pu le voir précédemment, on a déjà fait un bon bout de chemin sur le jeu. Et aujourd'hui, on est là pour en découdre avec ces démons. C'est parti. Donc pour résumer rapidement, on avait commencé le jeu à 7h du soir. Et on est arrivé jusqu'à 2h du matin. Il nous faut survivre jusqu'à 6h du matin. Et les bruits de merde commençaient déjà. Et donc voilà, on avait fait déjà un bon bout du jeu. On est plus très loin de la fin. Et j'imagine que maintenant, il faut tout simplement survivre jusqu'à 6h. Et si vous n'avez pas vu la précédente vidéo et que vous souhaitez la voir, le lien est dans la description. Je vous laisse checker. Faites-vous plaisir. Comme ça, ça vous permettra de comprendre un peu mieux le système de jeu, voir ce qu'on a déjà fait. En gros, on avait débloqué toutes les portes, tous les accès du bâtiment. Là, je pense qu'il faut juste survivre maintenant. On va voir ça. Ça court. On est mort. Mec, on est mort, on n'a rien vu. On s'est même pas pris de screamer. Et j'ai pas très bien compris là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends juste pas s'il y a un truc de spécial à faire. Ok, donc ça a bipé. On active un truc. Ça fait ting. Mais c'est hyper sombre. C'est plus sombre qu'avant, j'ai l'impression. Ça a rebipé comme tout à l'heure. Pourquoi? Ok, attends. Il y a un truc qui se passe. Il y a une alchimie dans ce secteur 3 là. On va y retourner, on va mener l'enquête. On va essayer de remettre l'électricité. Ah, je l'ai enlevé là, non? Ah oui, je l'ai enlevé. On la met. On est mort. Ok, d'accord. Alors, ma théorie pour ces 2h du matin, il faut pas allumer la lumière, il faut pas aller dans le secteur 3. Voilà, là ça refait le petit ting qui veut dire quoi? Je n'en sais rien. Musical light, stay. C'est dire quoi ça? Lumière musicale, rester dans le noir. On est mort. Bon, en tout cas, sachez que si cette vidéo fait moins de 10 minutes, c'est que je suis allé vite, tout s'est passé bien. Si elle fait plus de 10 minutes, c'est que j'ai galéré. Celui-là il m'a un peu surpris. Je le comprends toujours pas. Putain. Cette vidéo commence très mal. Oh, pff, je dis pute. Tampi. Le screamer qui arrive. Oh, double screamer. Putain, ça me saoule. Je comprends strictement rien à ce qu'il faut faire. Ok, je crois qu'il faut se balader de zone en zone. Je vais essayer de faire des allers-retours entre la zone 3 et la zone... la première zone du début, là. Ça a l'air de marcher. Oh là, mais mec, c'est long. C'est même pas 2h15. Oh là là, mais il est insupportable, ce niveau. Okay, on essaie de retourner juste à côté, voir si ça marche. Ok, ça marche très bien. Et bien, on va faire des allers-retours. Ça marche plus. Ah non. Mais j'ai compris. Mais je suis mort. Ah non, je vais mourir, je vais mourir. Non, j'étais allé si loin. Oh, j'ai quand même réussi. Ok, je vous explique, en fait, tout est éteint. Et il faut rejoindre. Mais genre, ça a buzzé, ça a fait le ching après. En fait, je m'explique, il faut ouvrir toutes les pièces. Et il faut trouver la pièce qui est allumée. Hop, là, c'est éclairé, vous allez voir. Voilà. Hey, il y en a dans la caboche. Ok, c'est éclairé ici. Ok, ici. Mais c'est hyper dur, il y a tellement de pièces. Ok, c'est bon, on l'a trouvé. Je suis tellement en mode tryhard, même plus je rigole, je... rien du tout. Je suis à fond, mon gars. J'ai tellement peur de louper une pièce. Il reste qu'une seule pièce. Oh, elle est éteinte, putain, je l'ai loupée. Ou alors c'est la cuisine, peut-être. On tente la cuisine, vite, 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 vite. C'était la cuisine. Mec, c'est hyper chaud. Ok, on l'a eu, nice. Ok. Ah, c'est bon, on l'a eu. On l'a fait! Eh, je vous jure, on dirait peut-être pas, avec tous les cuts et tout que j'ai fait, mais j'ai passé une heure. J'ai vraiment passé une heure. Une heure dans le jeu et une heure irréelle. Pour cette troisième heure, quel truc à la con il va falloir faire? Je me suis fail, je l'ai pas bien touché. Là, voilà, c'est bon. Je pense que les monstres, les poupées et tout ça commencent à revenir. Et là, je pense que ça va être vraiment basé sur juste la survie. Et... Cours. Il court hyper longtemps, c'est le marathon. C'est bon, on l'a eu. Là, c'est le jeu que j'aime, là. Plutôt que les petits mini-jeux et tout ça, là. On trace. Ah, y en a deux. Je l'ai entendu, l'autre. Lui, on l'a semé. Et il reste... Je l'avais dit, putain, il y en avait deux. Il reste elle qu'il faut fixer. Faut pas... Mais mec, je peux pas. Je peux pas courir et regarder l'autre en même temps. C'était hyper chaud. Oh, shit. Il est passé devant moi. Il est passé devant moi, il m'a pas tué. Mon gars, j'étais une moule. En même temps, qu'est-ce que je pouvais faire? Il y avait le clown, fallait pas que je bouge, fallait que je fixe l'autre. Et fallait en même temps que je cours. C'est pas possible. Elle me lâche pas. Elle veut pas partir. On va aller dans l'entrepôt. Comme ça, on aura plus d'espace pour courir et tout. Il y avait le clown là qui marche. Toi, mais toi. C'est chaud. Il y a à nouveau l'autre. Ah, il y a les trois en même temps. Elle est où la meuf? Je sais pas où est la meuf. Elle est disparue peut-être? Non, elle est là. Putain, il est où l'autre? De l'autre côté. Ok, c'est bon, il partait. Ah mais mec, j'ai trop peur, j'ai pas envie de perdre là. Je suis arrivé trop loin. C'est pas pour mourir maintenant. Ok, on s'en sort bien. Le clown qui revient. Ah,
Les deux qui se jettent sur moi. Je suis absolument dégoûté. Parce que je suis sûr, mais il restait quelques secondes et j'étais arrivé. Le tryhard. Moi je le dis, je pars pas tant que j'ai pas réussi. Ah, ça y est. Elle commence ses conneries, elle. Ok, on bouge pas. Mets-toi dessus, je te dirai rien. Voilà. On touche rien. Ok, go. Bouge. On ne touche rien. Il en touche. Oui, la petite maintenant. Je crois qu'elle s'appelle Kiki. Ah, on bouge pas. Maintenant, j'enlève les mêmes pour être sûr. Parce que tout à l'heure, j'étais sûr de pas avoir bougé et... Bah, apparemment, si. On touche pas. Ah, mais mec. Pas tous en même temps, oh. J'ai cru que j'étais mort. Nice. La quatrième heure, on l'a fait. On est bon. Plus que deux heures, messieurs, dames. En vrai, c'est n'importe quoi. Je suis tellement en mode tryhard. Même pas, je rigole ni rien. Juste, je tryhard le jeu. C'est quoi tous ces bruits là? Ça arrive de ouf. Mais ils se dépassent tous ensemble ou quoi? Oh putain, je crois que ce niveau, ils se dépassent tous ensemble. En fait, c'est bizarre. On dirait qu'ils arrivent pas à me trouver. S'il faut, ils restent dans ce couloir parce que j'ai un truc à trouver ici. Rad. Ils passent tous là? C'est quoi ce bordel? Mais c'est nem. Comment je fais moi? Oh, on se casse. What? Mais ils s'en foutent de moi. Faut faire quoi? Ok, lui je l'ai arrêté. Elle je l'ai arrêté. Ah ouais? Ah, c'est un trap-trap en fait. Je vais t'attraper, viens là! Putain mec, on a inversé les rôles en fait. Eh la salope! Je t'ai chopé. Ah, c'est bien la première fois que ça marche dans ce sens. Il m'en manque qu'un je crois. Voilà lui. Oh le bâtard, il se TP. Ah non, je crois qu'il passe juste invisible. Parce que je l'entends comme s'il était à côté de moi. Ah ouais, il se met invisible lui. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas eu le clown. Et cet enfoiré, il me stoppe. Ah non, le temps va s'arrêter, du coup j'ai perdu. En fait, fallait tous les choper dans le temps imparti. Je vais perdre. Oh non, je vais me prendre un méga screamer là, je sens. Ils vont tous me sauter dessus, je sens. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. Le screamer va faire mal, je sens. C'était nul. Ok, c'est reparti. On sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est pour choper le clown et l'autre. Ça me paraît quasi impossible en fait. Rate ça! Comment tu veux que je fasse? Ah, il me bloque 10 000 ans en plus. Reste là, Kiki. Oh, le clown, je l'ai eu. Good job. Toi. Alors lui, c'est le roi des salauds. Toi, je l'ai eu. Je sais pas comment, mais je l'ai eu. Je crois que j'ai éteint la lampe et... Quoi? Ils se sont débloqués. Je crois que ceux qui bougent encore peuvent débloquer leurs potes. Oh non, ils sont tous débloqués. Non. Toi, tu restes là. Toi, toi aussi, tu restes là. Putain, mais toi, mais arrête de courir. Oh là là, mais lui c'est le pire. En fait, je pense qu'il y a des techniques pour tous les choper. Genre, elle, je pense qu'il faut la choper sans faire de bruit. Comme ça, elle nous entend pas et elle peut pas se barrer. Hop, on l'a eu. Putain, mais lui, c'est redébloqué. Bon, eh bien, c'est notre deuxième échec. On va se prendre le petit screamer dans la gueule et recommencer. Allez, viens me... Viens me tuer. Troisième tentative. Je sais comment choper chacun, sauf le clown. Le clown, j'ai réussi une fois avec la chance, je crois. Putain, le clown. C'est le clown le plus chaud. Hop, quatrième. Cinquième. Le clown, comme d'habitude. Oh là là, mais ils ont débloqué tout le monde. Je vais me fou. En fait, y a rien à faire. Tant que j'aurais pas chopé le clown, je pourrais rien faire. Est-ce qu'il va m'immobiliser alors que je suis derrière lui? On dirait pas. Ah putain, et si. À un moment, j'avais réussi à l'avoir, mais je sais pas comment. Ok, le clown est là. Eh, hey, mais t'es content? J'ai peut-être une théorie. Et pour moi, c'est la seule solution. À mon avis, son pouvoir met un temps à se recharger. Ah ouais, c'est ça! En fait, il m'arrête d'un côté et moi, je repars dans l'autre. Et comme ça, le temps que son pouvoir se recharge, je le rechoppe. Ok, bon, là, c'est trop tard pour ce coup. Et le prochain, c'est la win assurée. Ok, cinquième tentative. On est chaud comme Jaja. On sait comment faire. On sait comment attraper le clown. Ça va le faire. Ok, donc là vous avez vu, il a utilisé son pouvoir. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le circuit dans le sens inverse. Et on va le choper avant qu'il retrouve son pouvoir. Hop, tu t'arrêtes, connard. Hop, 4. Il nous manque... Ah, ils se sont débloqués. C'est encore jouable. Hop, toi tu bouges pas. Toi, c'est toi qui as débloqué là. Saleté. Tiens, bouge pas. Là je crois qu'il m'en manque plus beaucoup maintenant. On va voir ça. Ah. C'est bon, on les a tous eus. Kiki, c'était la dernière. Bon, messieurs, dames, dernière heure. 5 heures. The last avant les 6 heures. Oh, ça va être terrible. À mon avis, ils vont tous me courir dessus en même temps. Il m'a soulevé et tout. C'est la 5ème heure, c'est tout ce qu'on aime, c'est violent. On voulait du challenge, on l'a. Je sens qu'elle va être infernale, cette heure là. J'ai vu un truc bouger là. Quoi? Ok, il faut que je connecte mes fluides psychiques. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je la fixe, elle me tue pas. D'habitude, le clown, il m'immobilise, il me tue pas. Qu'est-ce qui se passe? On va voir, mais ça a l'air dur. On court. Connexion des fluides psychiques. D'habitude, il court vite, mais pas assez pour me choper. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la faille?
refais jamais ça, putain. Refais jamais ça. Donc, la map nous indiquait deux portes de sortie. Comment on peut ouvrir ça? Ah, il m'a vidé de mon énergie, lui. Il m'a drainé, le mec. Je vois que cette solution. Si ça, ça marche pas, je sais pas ce qu'il faut faire. Ils ont pas aimé. C'est pas ça. C'est pas possible. Et ça, c'est le pire, tu vois. Le mec qui te spawn dessus. C'est screamer agressif, tu vois. Screamer agressif x10 000. Le pire. Je viens de comprendre un truc à l'instant. C'est que dans cette pièce, dans la cuisine, sur le tableau, il nous donne une indication. Pour... Ouais, laisse-moi finir, bordel. Donc, je disais, sur ce tableau, ils nous indiquent à chaque niveau qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, s'ils veulent bien me laisser y retourner, je vais vous montrer. Pour ce niveau, ils nous disent « Hide and seek, we are it ». Ce qui veut dire, je sais pas du tout, ce qui veut dire « cache-cache ». Ok, en gros, pendant une heure, faut qu'on arrive à se cacher. « We are it ». Nous le sommes. Très bien, ok, d'accord. Dès le début, faut trouver juste un endroit. Une porte, une pièce, on se met dedans et on attend pendant une heure, quoi. C'est un cache-cache, quoi. Eh bien, à chaque fois, on va attendre pendant une heure comme des cons. Enfin, une heure au maximum. J'aurais bien des toilettes pour se cacher. On va se mettre dans le noir, espérant que ça passe. Ok, il y en a un qui passe devant. Ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Ok, pour moi, ça se passe très bien. On bouge plus, on fait plus rien. Ah, mais c'est insupportable d'attendre une heure comme ça, là. Oh non. Mec, il me voit pas. Il m'a pas vu. Ok. Je le sens bien. Le joueur français, va-t-il se faire débusquer? C'est la question. Le joueur français qui est double champion à la catégorie cache-cache. Je me demande juste, est-ce que je devrais pas plutôt fermer la porte? Tu m'as pas vu, s'il te plaît. Nice. Eh mais arrêtez-vous, arrêtez de venir ici. Et je crois qu'on a vraiment trouvé le bon endroit. Putain, oh con. Que de rebondissements, c'est fou. C'est bon, on a trouvé la planque là. Allez, sonne l'horloge. Allez, les 6 heures là. On l'a fait! Le joueur français qui réalise l'espoir! Il est à présent triple champion du cache-cache. Maintenant qu'il est 6 heures, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut toujours pas sortir. Oula. Y'a la boîte là. Putain, mais c'est 6 heures, mais c'est pas fini. C'est pas fini en fait. Ok, il est sorti, il me poursuit. Vite. Putain. Il faut trouver la clé, j'imagine, un truc comme ça, pour pouvoir sortir. Eh, mais elle bouge pas, elle? Ah! Je pense qu'on tient un truc. Ah! Non. Putain. Non, je pense qu'il faut... La fille aux cheveux blancs, on l'a trouvée une fois. Elle se téléporte, il faut la retrouver. Il faut la retrouver plusieurs fois d'affilée, c'est bon. Je pense que c'est ça. Fin d'Emily 3 fois. C'est ça qu'il fallait que je regarde dès le début. Si je la trouve 3 fois, je win. Ok, c'est faisable. Ça a pas l'air... Si, ça a l'air un peu dur quand même. Oh là là, mais ils sont tous là en même temps, quoi. Bah si, en fait, ça va être compliqué. Allez là. Une fois, toi, casse-toi. Je t'aime pas. Deux. Le rond-point. Allez, on y est presque. On sait ce qu'il faut faire. Cette fois, je win, c'est sûr. Elle est à nouveau ici. C'est bon, une fois. Allez, encore deux coups. Et à nous la liberté. Ah, ok. C'est bon, casse-toi. Ne touche pas, toi. Marche arrière. Hop, c'est parti. On va essayer de retrouver Emily. Je le sens qu'elle est par ici. Oh oui, elle était là. Bouge pas, toi. Marche arrière. Oh, manœuvre. C'est le créneau. Non, elle est pas là. Ne touche pas. Marche arrière, créneau. Et dis-moi qu'elle est là, s'il te plaît. Dis-moi qu'elle est là. Elle est pas là. Oh non. Pas maintenant. Je suis mort. On est presque tout fait. Cette fois, c'est là-bas. Allez, regardez. Comme c'est bien parti, là, déjà. Un coup. Et là. Oh, putain. J'ai failli crever. Il reste un coup. Un coup, et c'est bon, c'est fini. Dis-moi qu'elle est ici, s'il te plaît. Dis-moi qu'elle est dans cette pièce. Oh, oui. Bien joué à tous. Merci de m'avoir visionné. C'est incroyable. On l'a fait. Et j'imagine que maintenant, il ne reste plus qu'à sortir. Hein. Oh, il y a un feu. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Bah, prends de l'eau, mec. Oh, la sortie! Alléluia! Fallait juste sortir. Doors came to life and attack. Bon, désolé, jamais j'arriverai à traduire ça. Ceux qui veulent, mettez pause et traduisez. Oh! Et bien voilà, c'est sur cette note poétique qu'on va se quitter. Le jeu était vraiment cool, fallait survivre, il y a des espèces de mini-jeux, on avait pas mal de poupées différentes, ça rajoutait un peu de piquant et de croquant. Bref voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. On se dit à très vite pour la prochaine. Tchuss.